Et plop les gens, de retour sur Basement. Du coup, la dernière fois, Henry nous expliquait comment ça s'est passé avec le frère de Kenny, pourquoi il est mort. Et du coup, maintenant, c'est la rage de Kenny. Tu pauvres payer avec ses cheesy crunchy balls. Bref, c'est comme ça que ça s'est passé. Tupo, c'est un... Je sais pas trop si j'ai le droit de dire ce genre de... Maintenant, je sais qui a tué mon frère. Et je jure, sur ce pacte de Green, je vais venger Justin. Ah, je vais le tuer. Ouais, ça devrait pas être trop dur vu que Tupo est personnellement en train de nous chercher après toutes ces histoires. Avec toutes ces histoires de street, de points de vente dans les rues. Mais avant d'attaquer le gars le mieux protégé de la ville, on devrait bien se préparer et ne pas le laisser nous voir venir. Bah, Gunther a raison. En plus, je peux pas vraiment rester ici longtemps. Je suis le nouveau poste, le boss de la police et des sortes de criminels. Et plop Flo, comment tu vas? Bientôt les renforts vont arriver. Et je devrais tout leur dire. Vous devriez pas être là quand ils arrivent. Du coup, je vais vous donner un flingue de l'armurerie et un chauffeur pour prendre les preuves. Si vous êtes intelligent, vous pouvez vider tout l'entrepôt. Ça va bien, on se remet sur Basement. Au fait, il y a un gros camion dans le garage. Vous pouvez l'embaucher si vous voulez. Ça va vous aider à transporter beaucoup de trucs rapidement. Ouais, je me casse. Bonne chance. Donc, il n'y a pas de pause dans ce jeu. Donc là, il y a un peu d'entrepôt. Faut qu'on se casse d'ici ou faut qu'on se casse de où? Alors, escape the police station. Ah, c'est le police HQ. Oui, d'accord. Ok. Là, on achète. Oh! Ok. Donc là, il n'y a personne pour vendre. Et merci pour renouveler ton abonnement Prime, Flo. C'est très gentil de ta part. Embauché. Mais j'ai pas de cash. Attends, je fais comment? Kenny, il faut que tu vendes. Toi. Tu t'appelles comment? Grady, là, il est là. Les gars... Si ça me paraît compliqué... Oh, c'est quoi ce temps? Ah ouais, le labyrinthe. Un peu compliqué. Là c'est prenable. Ouais, bah, je pense que je vais être forcé entre guillemets de prendre cet endroit là. Alors toi, voilà.
et vous allez attaquer cet endroit là. Sinon... Ah mais c'est pas des trucs de vente ça. Bon bah Kenny, tu vas aller ici. Hop. En vrai je sais, je crois qu'il est pas très cher le jeu. Mais je pourrais pas dire combien il coûte. Ah je peux pas vendre ces trucs là. Je pourrais pas dire combien il coûte parce que je l'ai eu dans un Humble Bundle. Et c'est comme ça que j'ai été au courant du jeu. Tout simplement. Je suis censé avoir un véhicule. Ouais, toi tu peux venir là. Je crois qu'il est dans la dizaine d'euros. Bon, de toute façon le jeu est en ralenti. Regardez très rapidement. Pêche du magasin. Il est... Et surtout je l'ai pas vu. J'ai l'impression qu'il est pas en vente sur le store de Humble. Mais il était dans le bundle. Il est à 16,79 sur Steam. Et la soundtrack est 80 centimes, mais bon. La soundtrack, voilà. On va dire. Elle est pas géniale, géniale. Alors ça, c'est la banque abandonnée. Oh, je pourrais prendre la banque. Non mais ça va pas le faire. Quoique... Est-ce que ça vaut les 16-17 euros? Bah là je fais que l'histoire, il y a un mode plus libre que j'ai pas encore essayé. Mais l'histoire là, alors je sais plus c'était quel épisode, mais il y a une mission qui était quasiment infaisable, celle que au final je vous ai pas montrée. Speed 50, ouais, donc encore plus lent, mais il peut les transporter 10 par 10, ok. 15 euros. Faut voir un petit peu ce que donne le mode libre. Parce que pour l'histoire, je pense pas. J'ai un peu du mal quand même à. J'aurais pas mis 15 euros moi-même, quoi. Ok. Cool. La vieille école est à nous. Je me souviens que notre prof de chimie avait un petit labo de dans la cave. Tu penses qu'il est toujours là? On dirait, mais t'es en bordel. On devrait réparer l'endroit. J'ai pas de sous. Oh punaise, escape le police station. On a 2 heures. Il faut que Gunter vienne. J'ai pas 75, d'accord. Mais je peux vous vendre. Du coup Flo, pour en revenir à ce que je disais. Je pense qu'il faut... Oups. Faut mieux que t'attends un peu que je dis que j'essaye le... J'essaye le mode plus libre. Là je peux pas forcément te le conseiller pour le moment. En plus je sais pas combien, quelle taille fait la campagne. Le mode libre. Je l'ai pas essayé, c'est compliqué de le conseiller. Oui non, je confondais le camion bleu et le camion jaune. Et le camion va pas vouloir prendre le... Bon c'est pas grave. J'aurais abandonné 1, 2, 3, 4 de green, ça. Et ça je peux pas vendre, c'est dommage. Je peux améliorer mais... 4. J'avais jamais vu qu'on pouvait regarder les... Bref,
Ouais, je te le dirai. Vu que tu, je sais que t'es intéressé, je le redirai. Sûrement à la fin de la campagne, mon compte rendu du moment et. Achievement un logicien. Et dans le Discord. D'ailleurs, si vous êtes pas au courant, j'ai bien un Discord qui est noté normalement dans les liens de la page de la VOD et sinon sous la chaîne Twitch. Ah bon, j'ai réussi à tout bouger. Non, mais c'est pas grave. Camion est revenu, c'est tout ce qui comptait apparemment. Ici du coup. Ce qui serait cool, c'est d'avoir genre... Là l'entrepôt. Là... De la prod. On va mettre... L'électricité ici et un canapé, genre le canapé. J'ai tenté de mettre un canapé là. Mais là j'aimerais bien faire un... Quoique, est-ce qu'on a... C'est pas opti dans tous les cas. Je vais mettre un canapé ici. Je vais mettre... Je vais remettre en vitesse normale. Gunter qui s'y remet, donc c'est tout ce qui nous importe. Là, je vais peut-être mettre un endroit de vente. De toute façon, j'ai pas de thunes. Ah, t'as remis le lien du Discord. Dans le chat, mais je l'affiche pas. De toute façon, copier un lien Discord, c'est un peu étrange. Je veux dire, depuis la VOD, si c'était affiché. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, eux, ils sont employés, c'est cool. Le camion, il va faire ses allers-retours. Ici, il y a des nouveautés, il y a des nouveautés. Power. Ça, un productivité plus 6, ça vaut 2000. Secours. Là, c'est déjà productivité 4, ça vaut la moitié. Il nous faut surtout plus d'employés, je dirais, pour le moment. L'école, elle est super loin de la station de police. Les gars font pas grand chose. Je pense qu'ils peuvent faire ça. J'avais vu, mais j'ai oublié que un stamina pour toi. Et potentiellement de la vente ici. Mais avant de faire de la vente, il va falloir faire plus de prod. Du green, ouais. Il va falloir aussi des casiers pour le staff. Alors lui, il a descendu les marches, il a pas compris ce qui se passait. On dirait la même banque. Bien sûr. Et sois pas triste. Je suis sûr qu'on pourra... On pourra se faire tupo, tu vas voir. Ouais, merci Gunter. Ouais, regarde.
à cette énorme cave. Et on pourrait faire un super lab ici. Peut-être une petite usine même. Oh mince. Oh, j'ai pas lu le dernier message, tant pis. Alors, j'ai même pas regardé toute l'émission. Historien, et surtout bon courage pour finir la mission. Si tu veux. Ok, ça marche. Et ben, à plus, Flo. Alors, il y a très fini dit Hansen, tu peux. Ouais, tu peux. Ouais, dès qu'on attaque un truc de tupo, il va être au courant. Tu peux sec tout de suite. Quoi? J'ai encore un corps, mince. Ok, donc ici, genre, on peut vendre tout ça. Ah non, pas tout quand même. Les portes, non. Mais on peut vendre au moins une partie de l'argent là. Et se faire une vraie prod ici. Ok, dans tous les cas. Ça vaut combien ça? 125. Dans tous les cas, il faut que j'embauche un producteur pour le green. Oh punaise, en plus si je veux faire un... Si je veux avoir plus de véhicules, c'est seulement ici. Ouais mais genre, je peux pas le construire ici. Ça c'était pas prévu. Toi tu vas te soigner. Et vous venez là. Par contre, les producteurs. Vous venez là et puis tant pis hein, pour là-bas. Donc, ouais, on s'en fiche là-haut. Ici c'est pas très intéressant. Ici c'est très intéressant, donc on va d'abord vendre des trucs ici. Ici on va mettre le canapé. Le... Là on va mettre l'électricité. Ici je voulais mettre ça. Non, la prod de verte en fait est plus en train. Ouais, je vous ai enfin trouvé, je vais vous dégommer. Ramène-toi fils de... Ramène-toi fils de... Je vais revenger mon frère. Donc Henri a parlé. Je savais que j'aurais dû le... m'occuper de lui à ce moment-là. Avant qu'il fasse plus de problèmes. Bien, il y a toujours réparer ça. On va voir ça.
Alors pourquoi? Parce que je les ai butés. Non mais c'est... On va recharger le checkpoint. Ce sera mieux. Parce que là sinon je vais faire un épisode complet alors que ça va juste pas bien se passer. Non, tout ce qui compte c'est que personne ne meurt. Alors. Ici on envoie Kenny. Ici on envoie Kedi. Tu peux t'entraîner à la gym, tu peux t'entraîner à la gym. De toute façon, je peux pas vendre les salles, on a dit. Et. Tac tac tac, il va falloir que j'achète un véhicule. Est-ce que j'achète plutôt un scooter en fait? Mais je vais me mettre là, ça va être moins loin. Non, d'ailleurs ici. Un peu plus vite et un peu plus loin, pas de grand chose. Vous pouvez attaquer ça là. Je vous ai bien dit d'attaquer. Ok, j'en ai sélectionné la moitié. Ça devrait le faire. Il nous faut quelques ventes et on va prendre le scooter, je pense quand même. Ce qui compte, c'est de se débarrasser de ça et que même si on fait une énorme prod, ça va pas être ouf. Ouais mais non, le scooter il fait que un à la fois, c'est vraiment pas génial. Alors tu viens là, mais normalement il n'y aura plus rien à attaquer le temps que tu fasses le trajet. Qu'un scooter pour faire des petits réapprovisionnements d'urgence c'est pas mal, mais qu'il faut surtout un comment ça s'appelle, bah le véhicule le plus gros qu'on puisse au final, en plus. Ouais, s'il y a une patrouille qui passe, ils vont regarder que les deux premiers étages de sous-sol. Ils iront pas jusqu'en bas. Donc. Ralenti, j'ai dit que ça je voulais vendre. Les portes, je peux pas les vendre, c'est dommage. Donc ils ont
Et bon, on va attaquer ces deux endroits. Et puis tout ça, c'est à nous pour faire ce qu'on veut avec. Mais je sais pas, genre, si je mets des trucs là-haut. Ce que ça va faire. De toute façon. Toi. Vous allez me rendre vos armes. Est-ce que je les vire vraiment? Non, je vais peut-être. Je vais peut-être profiter de les avoir. Oups. Je vais peut-être profiter de les avoir pour. Prendre tous les trucs de Miguel. Bonjour, il faudrait que tu viennes là. Ouais mec, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va pas avec toi? Eh, hey, t'es une... toi aussi Miguel. Et on doit... et je dois te... C'est à toi que je dois la... Et c'est à toi que je dois la mort de mon frère. Punaise, j'aurais fait le même accent à tous les deux. Ça va pas du tout. Eh mec, n'importe quoi. Vous voyez avec Tupo, j'ai rien à voir avec ça. Ouais, Kenny... Miguel, il s'est un peu enfui. Il s'en va. On peut prendre tous ces points de vente, il n'y a plus personne là. Regarde ce qu'on a, le Candy Shop, le magasin de bonbons, plus de consommateurs, ça veut dire plus d'argent. C'est ici que Justine roulait ses bonbons. Tac, tac, genre si j'en envoie. Tac, tac. Ouais, toi tu veux prendre ça. Tac, et j'ai tout. Non, toi, c'est pas parce que je t'ai pas oublié, toi, tu viens là. Va pas à l'autre bout du monde, là, dans ces canapes. D'ailleurs, je vais les vendre tout de suite. Ici, on va avoir besoin. Non. J'aurais dû le mettre là, bon c'est pas grave. Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, alors ça, est-ce qu'on peut l'améliorer? Non, il n'y a pas assez d'électricité, du coup il va me falloir direct le plus gros 1000. Ouais, dès que j'ai 1000, je m'en occupe. Ce qu'il faut, c'est que j'ai personne là-haut.
et que j'ai toute mon usine ici. Hop. Ok. Et du coup, qu'est-ce que je voulais? Oui, je voulais améliorer ça. Là, il me faut 500. Ça sera sûrement demain. Alors que j'améliore ça aussi. Il me faut 3 vendeurs. Si possible, des vendeurs de gang un peu, quoi. Les gars qui savent se défendre si je produis du pourpre. Et là, en soi... En vrai, les soldats, là, je leur demande gentiment de récupérer mes affaires. Et vous pouvez vous casser. J'ai plus besoin de vous, au moins pendant un moment. Hop. Voilà. Du coup, non, j'ai pas assez. Oh, je viens de les payer, c'est dommage. Du coup, il faut que... Non, c'est avoir une nouvelle bagnole le plus important. Quoique j'ai un, deux... J'ai 3 spots de vente qui pourraient fonctionner temporairement. Il vaut mieux avoir une bagnole comme ça, ça. D'ailleurs, Kenny, tu vas venir ici. Et tu vas prendre... tu vas venir ici, je pense. Ouais, quoi, il y a 4. Ici, il y en a 2. Donc, Grady, tu viens là. Juste parce qu'il y a du stock. Du coup, bah, tu vas pouvoir vendre. Et faire du blé. Qu'on puisse acheter un camion. Bad trip avec avec Kenny, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. Hein. Je lui ai donné un couteau, c'est pas pour rien. Vu qu'il y a que toi pour le moment, je peux te donner ça. Encore me falloir 500 pour non ça va aller. Peut-être pas dû, bon c'est pas grave. J'aurais peut-être pas dû tout de suite prendre tous les trucs du verre. J'aurais dû le... me contenter de mes 2 points de vente super loin. Tant que j'avais pas le camion. À la fois comme ça le scooter distribue pas à n'importe où. À la fois ça aurait permis... Oh. Ça aurait permis du coup que le scooter n'aille pas de partout et ça aurait permis de bah de consolider cet endroit là. Peut-être que Tupo et Miguel se tapent un peu mais on s'en fout.
on achète ça. Et là il va repartir avec deux rangées normalement. Non, une rangée complète. Non, non, il prend 15 le camion. Il prend 10. Bon, en tout cas, du coup, Kenny a de quoi vendre. Quoi? C'est quoi ça? Ah, c'est le pourcroqué. Je me disais quoi, nouvelle couleur et tout? Non, c'est juste que c'est du pourpre et on n'en a pas encore. Du coup, il faut embaucher quelqu'un. Produire un peu de pourpre. Et on a dit qu'il faudrait embaucher deux vendeurs. Alors eux, c'est plutôt des combattants de mémoire, ouais. Stamina, ouais non, stamina, c'est soit des vendeurs, soit eux qui se battent quand même un peu mieux. Donc, pas ici. Ici, je veux Val. Et ici, je veux Mika. Où est-ce que tu vas? Ou alors il vient d'arriver peut-être. Et là, je vais pouvoir vous améliorer votre canapé. Que vous bossiez plus. Alors ici c'est une bonne zone aussi pour produire. Mais là c'est un peu nul. Et là c'est pas ouf non plus. Ou alors je mets genre... Je mets que de la prod là, peut-être. Je peux faire ça, commencer de base en haut. Alors de toute façon là j'ai un peu de stock, on va voir ce que ça va donner. Ici j'en ai pas encore. Ici non plus. Ici non plus. Et ici c'est déjà fini, donc les véhicules, faut qu'ils déplacent la marchandise. Mais... Regardez... Excusez. Pour regarder... Le camion il en prend pas des masses. C'est un peu étrange qu'ils en prennent si peu d'air. En tous les cas, on va faire plus de prod et au pire on vend le scooter pour prendre un vrai camion et puis on dira que le scooter c'était vraiment une mauvaise idée. Au pire, ici c'est vraiment un endroit chelou. Tu vas là et puis... Ah non, je crois qu'ici on... Ah, je sais pas si on peut... Non, non, on peut pas creuser ici, hein. C'est vraiment que là. Alors... Voilà, là ils ont pris pas mal mais ils prennent que du verre. Que tu vends des deux
tu vends des deux, enfin t'essayes. J'essaie de vendre les deux. J'essaie de vendre les deux. Non bah ils essayent. Là c'est les camions qui suivent pas. Bon bah alors on va changer hein. Toi, on va te virer, tant pis. Ouais, on va acheter un deuxième camion. Ok, lui il est blindé de pourpre. Alors... Popcorn, toi... J'espère que le pourpre vient pas ici. Équipe et on va te virer. C'est blindé de pourpre, là il y a quasi déjà plus de verre et là il n'y a plus rien. Seul truc de pourpre, faut que tu te blindes de... Et pourquoi t'en as pris que deux? Genre tu pouvais pas prendre tout? Et là, évidemment, l'école abandonnée, elle est pas reprise par Tupo, quoi. Évidemment. Mais pourquoi tu prends genre un de pourpre, là? Ouais. Ah non, ça, c'est des salles que je peux construire, oui. Alors ça, c'est un truc intéressant. Est-ce qu'on peut faire exactement la même chose qu'ici? Plus d'évêques. Et on va déjà embaucher un gars pour produire le temps qu'il descend tout en bas. Comment on fait alors? Ah oui, ici aussi les salles. Je voulais que les salles comme ça, mais pas les salles. Ok, non, le layout est plus intéressant que ce que je craignais. Donc ces trois niveaux, on sait qu'on peut les utiliser tranquillement. Ici, on pourrait faire un canapé. Et prod. Et... Allez. On y a plus les sous. On va prendre un canapé avant qu'on embauche deux comme ça. Et
ici, on a dit de la prod aussi, ou on a dit de l'électricité? Oui, on a dit de la prod, mais on a besoin d'électricité pour ça. Quoi dans ton coffre? Mais quasiment rien. Si tu vas ici, tu peux lui donner deux stagiaires complètes, quoi. Rien qui va s'arrêter. Ouais. Là, c'est qui spawn exactement au même moment, donc il marchait à deux. Ah, lui va beaucoup plus vite que lui, hein. Il a 0,9 en prod. Ils sont tous les deux à 0,9. Ah non, mais c'est juste le temps qu'il a marché de plus. Et ben. Alors là, il faut que tu me remplisses les deux, tes deux fenêtres. Une seule fenêtre. Bon, elle est remplie, mais. Et une seule, quoi. T'as encore quelques trucs, toi t'as quelques... T'as plus rien à vendre. Mais un camion qui devrait aller toi, je suppose. Alors l'électricité, on a dit qu'il fallait améliorer. Super. Petite explosion. Ah, avec les explosions, je pourrais peut-être faire un... Ça. Mais d'abord ceci. Acide distiller. On va se faire notre infirmerie ici, je pense. C'est un peu loin de tout, mais en soi, il n'y a pas besoin de. Pas besoin que ce soit proche. Oui, non, Kenny. Faut que tu viennes. Mais il a pris et il s'est barré. Ah, mais si c'est juste ça, j'aurais pas viré mes soldats après. Bon, là il prend le truc. Ils ont capturé avec un gars et après il se barre au bout d'un moment. C'est juste ça, c'est pas gênant. Bon. Ça fait que mes deux points de vente sont à l'autre bout du monde. Mais... Alors attendez. J'ai pas les sous, j'ai les sous pour ça. Et tant que Kenny est ici. Pas faire de la vente ici parce que les vendeurs auraient tellement à descendre. Vu que la vente se fait forcément à la surface. Lui, il a pris la place de Kenny. Il a de la chance. Hein. Il faut 500, on les a presque. On va attendre qu'on ait 500 demain plutôt. Kenny, tu vas reprendre. Non, jouer au chat et à la souris, ça va. Ok. J'aurais pu du coup prendre le. L'école. La laisser se faire piquer et la ramener. Il a dit 500, non, je suis loin d'avoir mes 500 là. On va vérifier quand même, mais normalement Kenny n'a aucun problème. Et il reprend la vente en mode normal.
parfait. Pour rien avoir un truc de soins plus haut. Mais on va le mettre surtout pour la prod et pour éviter que ceux de la prod montent aussi. C'est 5h du mat, on a 500 balles. Pourpre. On va embaucher Jess à 188, ok. Donc là ils vont venir, mais lui il sera déjà tout en bas, donc il n'y aura pas de soucis. On va tester cette théorie. Et après potentiellement recruter 3 comme lui, il me semble. Non, plus pas 3. Ah bah justement. Il y en a combien? Il y en a 1. 2 comme lui du coup, et prendre cet endroit là avec des armes à distance. Donc là il veut venir nous casser la tête. Là ça explose, sauf que normalement il va pas descendre plus bas, il va pas descendre ici. C'est ça. Ok, donc c'est parfait, je peux avoir une usine qui produit, donc il s'est arrêté là, je peux avoir une usine qui produit tout là. Et j'aurai aucun souci. Bon, là ce qu'il faut quand même, comme je disais... ça, donc ça marche bien comme ce que je me disais. On a dit qu'il nous en fallait 2. Il en faut un deuxième. Voilà, les camions ils commencent à prendre. Ils commencent à être un peu pleins, mais pas à 100% quand même. Hein. Ok, non, là c'est bon. C'est bon, je croyais que c'était pas ouf. Non, tu restes là. On embauche un autre. Non, c'est pas ici. Et je veux que vous veniez là. Avec pour l'un un fusil à pompe et pour l'autre un coup de poing américain. Si jamais il est au corps à corps. Vous m'attaquez ça, vous prenez le bâtiment. Une fois que vous aurez pris le bâtiment... Quoi ? C'est pas du tout ce que je pensais, mais c'est pas grave. Toi tu vas là... J'aurais dû vérifier sur la carte, on voit où ils sont. J'aurais dû vérifier. Enfin, là, on voit pas parce que c'est ici que ça va trop profond. Ah, les stocks sont déjà remplis de. Déjà bien, bien remplis. Donc là, c'est la vente qui est ralentie, qui ralentit tout. Et quand je dis la vente, en vrai, je veux dire les camions. C'est pour ça que je vais prendre cet endroit là. Je vais mettre juste un camion là, un camion là. Aspirateur. Productivité améliorée. Voilà, si ceux qui se battent... Vous avez le droit à un peu de green. C'est pour vous soigner.
Ça, je l'avais déjà lu tout à l'heure. Alors, on peut vous enlever vos armes. Tac, une équipe. À la limite, tu peux le garder. Et ce qu'on veut, c'est qu'il y en ait un qui vienne là. Genre toi, et l'autre qui vienne ici. Genre toi qui as gardé ton point américain. Kenny. On va mettre en pause quelques minutes. Ici du coup on a dit qu'on vendait ça, on vend ça, on vend ça, on vend ça, on creuse, on creuse. J'ai pas les thunes. Home grade aussi, non, pour upgrade il faut aussi de l'électricité. Du coup on va vendre tout ce qui est rapport avec la classe là. Ça on est bien. J'ai un mec qu'on pourrait accélérer, mais évidemment quand je dis ça, hop, Kenny tu viens là. On pourrait mettre un point de vente ici théoriquement. Point de vente là, stock ici. Non. On va mettre ici. On pourra mettre un canapé là. Ça point de vente. Point de vente, prod, puis on verra. Dans l'idée, c'est possible en tout cas. Alors ici, Kenny, tu peux y retourner. C'est marrant ce jeu du chat et de la souris. Il y en a deux qui ont quand même pas reçu de salaire. Très bien. J'ai dit qu'on pouvait peut-être accélérer un peu. Sauf lui, tous mes points de vente sont blindés. Donc maintenant, je produis réellement plus que ce que je réussis à vendre. Donc c'est maintenant que ça devient intéressant de d'avoir des soldats à entraîner et tout. Alors est-ce que je mets des soldats à s'entraîner les gens à l'école? Ici. Je ne sais pas trop. À l'école, ça peut être pas mal en fait, en vrai. Un peu de l'électricité. Oh, il y a trois types de upgrades, je savais même pas. Si celle-là, je l'avais aperçue.
Et ça me dit quelque chose aussi. Là, on gagne de la stamina, du coup on peut s'entraîner plus longtemps sans aller voir les le canapé, prendre du temps de repos. Là c'est juste le temps d'entraînement, là c'est temps d'entraînement et stamina, les deux coûtent tous cher. Vu que j'ai envie de pouvoir embaucher des gens depuis ici, je vais le mettre ici. Et du coup, non, je veux juste des vrais combattants parce que eux, je sais pas à quoi ils servent. Ils ont 3 PV de plus pour taper quasiment moitié moins fort. Sachant qu'une arme, ça augmente le nombre de dégâts, mais... ouais. Oh, j'ai pas assez d'électricité. Hop. Toi, tu t'appelles comment? Tu t'appelles Mika. Alors Mika, tu vas venir te soigner là. Kenny, j'avais pas vu, oh punaise. Non. Bon bah tant pis hein. Tant pis, je voulais commencer à me battre de toute façon, même si c'était pas encore le moment à mon goût. Donc là, faut prendre tous les trucs de Tupo. Ah ouais! Oh mais non. Oh, y a pas de sauvegarde. On va voir comment ça se passe, hein, mais... Toi, tu t'appelles comment? Pedro, tu vas venir ici? Non. Pedro, tu vas venir... ouais, Kenny, tu vas rester à la base maintenant. Que je peux t'offrir parce que si t'es pas à la base, c'est pas trop ce que je peux faire de toi. Donc comment je fais? Je pense que le plus simple, wow, c'est de prendre les trucs par la droite et de remonter. Parce que tout à gauche, je suis loin de mes bases. Mais ça, c'est violent. Ça, c'est violent aussi. Ouais. Donc oui, c'est bel et bien de passer par la droite. Ça veut pas dire que ça va être rapide. Toi, tu t'appelles Nicole. Ah. Alors, Nicolas, tu viens là. Ceux qui êtes libres, vous venez ici aussi. J'ai déjà plus de points de vente en fait.
J'aurais pu en demander à un qui... Un d'eux de venir ici. Dommage parce que si j'avais vu... Enfin, j'avais pas envie d'attaquer tout de suite, mais si j'avais voulu attaquer, j'aurais sauvegardé avant. Ok, Kenny, il est bien là. Si, allez, Kenny, tu retournes. Au pire, tu nous fais perdre et puis c'est pas grave. Faut que le véhicule soit arrivé. Toi, tu vas avoir le couteau, toi. Il y a pompe. Toi, un flingue. Tac, tac. Juste quand je dis à Kenny de venir là. Et je peux plus le contrôler. Bon bah il va crever hein, Kenny. J'ai plus rien. Je peux plus rien pour lui. C'est pour ça que j'ai quand même mes doutes qu'il vaille ces 15 balles. Des fois des trucs un peu étranges. Alors, hop, Kenny. Viens là. On a le temps. Oh, on a eu le temps. Ils sont morts, ils sont morts, ils sont pas morts. Ils sont morts. Bon, je regarde. Ah, ils sont tous morts. Tous ceux qui ont participé à l'assaut. Je croyais que je vous avais... Ah, oh, je pensais que je vous avais dit de venir vous. Bingo, hein. Bon, bingo. Dans les attaques, oui, je pensais bien les faire au ralenti, mais... J'aurais espéré gagner un peu d'argent avant. Alors celui qui va le plus vite, c'est lequel? Je crois que c'est celui-là. Non, toi on s'en fout. C'est lequel qui allait le plus vite entre les deux? Je pense que c'était lui du coup. Donc toi, batte de baseball, un équipe, toi. Ah. Batte de baseball, équipe. Ouais. Alors, maintenant, faut les soigner déjà. Genre, beaucoup. Quoi ça, L6P? Ouais, non. Ouais, c'était peut-être pas une si bonne idée. J'ai pas de thune. J'ai pas de thune. Kenny, il faut sauver Kenny. C'est ça qu'on avait dit. J'ai un point de vente. Bon, bah, game over, hein, je pense. Est-ce que je reste jusqu'au bout? Parce que là, au mieux, qu'est-ce que je fais? Au mieux, lui, je le sauve, je le laisse crever, on s'en fout. Ah, là, j'ai un producteur, ouais. Alors.
Toi, viens. Ça, j'ai toujours pas pu upgrade. Toi, entraîne-toi plutôt. Là, j'ai plus aucun point de vente. Ça a des gyrophares. Chelou à clignoter comme ça. Surtout derrière une barrière. Ils attaquent la banque, je veux voir s'ils attaquent jusqu'en bas ou s'ils restent là. S'ils attaquent jusqu'en bas, de toute façon j'avais aucun espoir, même en achetant. Regardez le nombre de gars qu'il y a. Non mais ils vont jusqu'au bout. Petit misclic, enfin pas misclic non du coup, c'est juste que j'ai pas fait gaffe qu'ils attaquaient le point de vente de Kenny et bah c'est, ce fut la mouise du coup. Peut-être que Kenny faudrait le mettre comme Gunter en mode, bah non, que ce soit Kenny ou quelqu'un d'autre, j'ai juste pas vu que un de mes points de vente était attaqué. Il aurait fallu que je retire mes gars à chaque fois, surtout que je commençais justement à avoir de la thune, je commençais à avoir de quoi embaucher des gens et entraîner des soldats, et puis je continuais comme ça, j'entraînais juste des soldats à l'école pendant que le reste vendait comme d'habitude, peut-être un peu de vente à l'école là au milieu comme ce que j'avais commencé à faire. Eh bien tant pis, j'espère que l'épisode vous aura plu. N'hésitez pas du coup à passer sur le Discord ou dans les commentaires déjà tout simplement. Et je vous dis à très vite.